Alors on va entamer une après-midi de débat. On a choisi des thèmes pour ces débats qui sont en rapport direct avec l'actualité sociale. Il nous a semblé important de commencer par l'état d'urgence et les quartiers populaires. Pourquoi ? On aurait pu s'attendre à un débat sur le 49-3, mais il se trouve que dans une semaine marquée par le passage en force de la loi travail, et donc par le 49-3 mardi était votée également au Sénat la prolongation de l'état d'urgence. Ça signifie qu'au sommet de l'État, pour la troisième fois en 6 mois, on prolonge l'état d'urgence jusqu'à l'euro, jusqu'au Tour de France. Alors, pourquoi l'état d'urgence? Qu'est-ce que c'est que l'état d'urgence? On aura l'occasion de revenir sur ce que c'est. Il nous a semblé également important de lier cette question de l'état d'urgence à la question des quartiers populaires. Pourquoi? Parce que l'état d'urgence n'a pas commencé l'année dernière, au moment de ces meurtres nihilistes de janvier de l'année dernière et de novembre de l'année dernière. Mais l'état d'urgence dans les quartiers populaires, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Et dans la période actuelle, ce que vivent les quartiers populaires en termes de contrôle aux faciès, en termes de répression, en termes de violence quotidienne, ça n'a fait que s'aggraver. Dans le cadre du mouvement social, aujourd'hui, l'état d'urgence s'aggrave dans les quartiers populaires et s'étend au-delà des quartiers populaires. Aujourd'hui, l'état d'urgence, cette stratégie de crise, qui est donc marquée à la fois par le passage en force de la loi travail sous la forme du 49-3, mais également donc par la prolongation de l'état d'urgence, cette stratégie de crise s'étend au mouvement social. Toute contradiction, le gouvernement la gère par une stratégie de crise. C'est-à-dire que, évitant de prolonger la contestation sociale, de lui donner la place pour vivre et peut-être pour envisager des victoires, le gouvernement décide de faire passer la loi en force et dans le même temps de prolonger l'état d'urgence. C'est important, je pense, dans un premier temps, qu'on revienne sur cette logique de gouvernement, sur ce mode de gouvernement. C'est pour ça qu'on va laisser la parole donc à des amis, à des camarades qui pourront revenir donc sur ce que c'est que l'état d'urgence dans la période actuelle, conjoncturellement, mais également de façon structurelle. Comment l'état d'urgence, donc, aujourd'hui, c'est à la fois l'aggravation de la répression, des contrôles dans les quartiers populaires, mais également une extension du traitement colonial aux milieux militants, au monde social, au mouvement social. Voilà. Aujourd'hui, et depuis à peu près 2 mois et demi, on vit une répression policière qui est inédite. Mardi, lors du passage en force du 49-3, des camarades étaient rassemblés au kiosque, des camarades de Solidaires, de la CNT, des assemblées de lutte. Ils ont été nassés avant même le début du rassemblement, avant même le début de l'AG. C'est-à-dire qu'on n'a même plus de possibilité de se rassembler, de s'exprimer et de construire une contestation sociale. Aujourd'hui, on est cadenassé depuis le départ. Et ça, c'est absolument inédit. Jeudi, lors de la manifestation, quand on est arrivé place Castellane, la place Castellane était entièrement cadenassée. Aucune possibilité d'échapper à la place Castellane, outre la petite rue Louis Morel. Rue de Rome, Baille, Prado, entièrement cadenassée. Arrivé place Castellane, on ne pouvait plus sortir. La police, le gouvernement patronal et policier construit une stratégie qui est très claire, qui tend à diviser, à opposer les différents acteurs du mouvement social. La convergence entre les syndicats, entre Nuit Debout, entre les AG de lutte, est compliqué. Et en même temps, nos succès dépendent de cette convergence. Aujourd'hui, précisément, et en atteste ce qui s'est passé jeudi, le gouvernement, patronal et policier, fait tout pour que des membres des syndicats, des membres des AG de lutte, des gens qui n'ont pas forcément d'affinité, se retrouvent dans des petites rues étroites et se mettent donc à lancer des hostilités. Ça arrange tout le monde, ça arrange le gouvernement, ça arrange ce pouvoir qui a intérêt à étouffer le plus vite possible ce début de contestation sociale qui est très fort et qui va être marqué dès la semaine prochaine par un certain nombre de grèves reconductibles dans différents secteurs. Le mouvement social, la lutte contre la loi travail, elle commence, elle ne fait que débuter. Et si on réussit à mettre en place tout ça dès la semaine prochaine, ça ne fait que commencer. Voilà, ça c'était pour introduire de façon générale donc, les débats de l'après-midi. Pour revenir donc, sur la question de l'état d'urgence, libre à chacun de s'exprimer,
de témoigner, de dire ce qu'il en pense. On doit construire une analyse collective sur cette question-là, articuler justement la modalité de gouvernement qui est liée au 49-3 à cette question de l'état d'urgence. Voilà. Donc, je vais peut-être proposer à un camarade qui a, avec lequel on a construit un collectif depuis décembre dernier, depuis donc suite aux attentats et à cette sidération qu'on a tous vécue et à la façon que le gouvernement a eu d'instrumentaliser cette sidération à des fins politiques et gouvernementales. Voilà. Ouais, alors l'état d'urgence, il avait le prétexte des attentats, c'était bien qu'un prétexte. C'était annoncé comme une mesure temporaire. Et cette reconduction sans cesse de l'état d'urgence, ça annonce, et c'est ce qu'on disait déjà au moment où on a créé ce collectif-là, c'est que ça annonce un état d'urgence permanent, un état d'exception permanent. Et cet état d'exception, bah, il a une histoire, il a une fonction. L'état d'urgence, c'est un ensemble de mesures qui renforcent les pouvoirs de la police, avec par exemple une des mesures symboliques, mais qui a de graves conséquences, c'est la possibilité pour les policiers d'être armés en dehors de leurs heures de fonction et de pouvoir tirer et tuer sur simple suspicion. Il y a un passage qui est important dans le mode de gouvernement, dont le 49-3 est un des aspects. Il y a un mode qui est le passage de la répression. C'est plus la répression des faits, c'est une répression préventive, une répression sur la simple suspicion. Et ça, bah, c'est ce qu'on est en train de vivre. Pierre disait tout à l'heure que le traitement colonial, il s'étendait à l'ensemble du mouvement social, etc. Bah non, c'est plus large que ça encore. C'est à l'ensemble de la société, puisque avec un État de plus en plus autoritaire, où les pouvoirs de la police sont quasiment illimités, où ils ont un permis de tuer, et que ce permis de tuer, il est sur simple suspicion, ça peut concerner absolument tout le monde. Et donc la question, c'est même pas est-ce qu'on se mobilise ou est-ce qu'on se mobilise pas, c'est est-ce qu'on est soupçonné de potentiellement se mobiliser ou pas. Et ça dépendra du jugement d'un individu qui a un flingue sur lui et qui a tout pouvoir de tirer. Alors Pierre parlait aussi que ce traitement-là, il était déjà dans les quartiers populaires. Et effectivement, quand on peut regarder un des derniers moments symboliques forts, c'est le procès de deux des policiers qui sont responsables de la mort de Ziad Ebouna en 2005. La mort qui a allumé le feu de la révolte des quartiers populaires en 2005. C'était la dernière fois, avant la séquence qu'on vit, où l'état d'urgence avait été appliqué en France, et spécifiquement sur les quartiers populaires, pour réprimer la révolte légitime. Et donc le procès, il se traduit comment? Alors qu'il a été prouvé que les enfants qui fuyaient la police n'avaient absolument rien à se reprocher dans ce procès-là. Il a été aussi prouvé que les policiers avaient conscience du danger de mort quand, dans leur radio, il y a deux des policiers qui transmettent à tout le monde, aux centrales, et qui disent « s'ils rentrent dans le transfo EDF, je donne pas cher de leur peau ». Et le verdict, c'est quoi? C'est non coupable de non-assistance à personne en danger. Et ça s'est reproduit. C'est pas la première fois que ça se produisait. Ça s'est reproduit après, contre l'assassin d'Amin Bentouti, qui a tiré dans le dos et qui a été acquitté. Et ça, c'est quasiment systématique. Quand il y a des policiers qui tuent et des jeunes de cité, et la plupart du temps, ces crimes policiers sont aussi des crimes racistes, ils sont quasiment systématiquement acquittés. Et ça, c'était un permis de tuer, un permis raciste de tuer les jeunes des quartiers populaires. Avec l'état d'urgence, c'est cette condition-là qui se généralise à l'ensemble de la société. Et on pourrait se dire, eh ben voilà, maintenant, il y a une égalité dans la société française, une égalité dans le droit de se faire tuer pour rien, sur simple suspicion, parce qu'on n'est pas habillé de la bonne manière, parce qu'on n'a pas le bon prénom, etc. Ben non, parce que la généralisation de ce traitement-là à l'ensemble de la société, ça va avec une aggravation de celles et ceux qui le subissaient déjà dans les quartiers populaires, cet arbitraire policier, cet arbitraire judiciaire. Ce qui s'est passé avec l'état d'urgence, les milliers de perquisitions, d'assignations à résidence, sur simple suspicion, sur des suspicions racistes, il a été prouvé qu'il y a des directives qui ont été données sur des gens de se faire perquisitionner parce qu'ils sont musulmans réels ou supposés. Ça, c'est pas autre chose que de l'islamophobie d'État qui s'accompagne avec un pouvoir
quasi totale des institutions policières. Et c'est un changement de régime en pointillé qu'on est en train de vivre avec l'état d'exception permanent. Et cet état d'urgence, et je finirai là-dessus, il a aussi une histoire. Parce que cet état d'urgence, il a été inventé, il a été taillé sur mesure par l'état colonialiste français pour réprimer le peuple algérien. Quand le peuple algérien était en lutte contre, pour son indépendance, contre le joug colonial de l'État français, et c'est en 1955 qu'a été inventée et appliquée la première fois cette mesure de l'état d'urgence contre le peuple algérien qui se battait pour sa liberté. Il a ensuite été utilisé, par exemple, en 1984 contre le peuple kanak, qui lui aussi luttait contre le colonialisme de l'État français. Et c'est pas pour rien qu'il a été utilisé contre la révolte des quartiers populaires en 2005. C'est significatif et symbolique du traitement colonial des quartiers populaires qu'il y a dans ce pays. Et ce qu'on subit, Ziad et Bouna, ce que subissent la plupart des gens des quartiers populaires depuis 20, 30, 40 années dans ce pays, au quotidien, c'est quelque chose qui est en train de s'étendre. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le traitement colonial des quartiers populaires. Ce traitement-là, il est en train de s'étendre à l'ensemble de la société. Et un État policier, c'est forcément un État raciste. Un État raciste, c'est aussi forcément un État antidémocratique qui hiérarchise les citoyens, qui a pour mode de gouvernement le passage en force avec le 49-3, qui va condamner des choix de la nationalité et les binationaux sur simple suspicion. C'est tout ça qui est en train de se préparer. Et cette extension du traitement colonial, il va avec une aggravation de la hiérarchisation. Parce qu'avec l'état d'urgence, plus l'ensemble de la société est réprimée, plus la situation dans les quartiers s'aggrave. La police est de plus en plus violente. Elle empêche de plus en plus la liberté de circulation, les contrôles aux faciès, les humiliations, les insultes. Tout ça se multiplie de plus en plus. Et maintenant, c'est légalement, c'est plus simplement de fait que la police a un permis de tuer. Ça s'inscrit dans la loi. Et il ne faut pas avoir l'illusion que ce traitement-là, il va être réservé aux quartiers populaires. Comme avant, la population française pouvait avoir l'illusion que ces traitements-là, c'était loin, simplement dans les colonies ou quoi. Eh ben non, ça commence à s'étendre dans les quartiers populaires sur le territoire français. Ça s'étend à l'ensemble de la société. Et pour moi, ça prouve qu'on a la nécessité de comprendre ce qui est en train de se passer, ce changement de régime en pointillé, en petit à petit, et comprendre qu'on a besoin d'une unité entre les habitants et habitantes des quartiers populaires, celles et ceux qui subissent le racisme et qui ne sont pas dans les quartiers populaires, celles et ceux des classes populaires qui travaillent, qui sont privés d'emploi et qui ne subissent pas le racisme. On fait tous partie du peuple. On a besoin de solidarité contre cet État qui est un État antidémocratique, répressif. On a besoin de s'unir, de créer des convergences. Et ça, à l'échelle de la France, de la population française, du peuple en France, qu'il soit français ou pas, et à l'échelle internationale. Juste pour information, si vous voulez prendre la parole, levez le doigt et inscrivez votre nom sur ce carnet. Comme ça, chacun votre tour, vous pourrez venir prendre le micro. Donc là, pour l'instant, c'est Kélig qui va parler. Oui, bonjour. En fait, c'est un peu pour, dans le même, peut-être pour compléter aussi. Donc, il y a un adage qui dit diviser pour mieux régner, quoi. Voilà. Et donc, bah, c'est ce qui se passe. Et au niveau, moi, il y a une phrase du Premier ministre là, qui m'avait marqué, puisqu'il avait dit « nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre, effectivement, mais depuis longtemps, il me semble, et sur divers continents, quoi. Nous avons fait la guerre en Côte d'Ivoire, nous avons fait la guerre en Libye, nous avons fait la guerre au Mali, nous avons fait la guerre en Centrafrique. Nous destituons, nous bousillons des pays, nous faisons la guerre en Syrie depuis un certain temps. Voilà ce qui en a résulté. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? On a fait une ingérence. Il ne faut pas oublier que la Syrie était un ancien protectorat de la France. Voilà, donc on avait un lien colonial avec la Syrie déjà. Donc on est intervenu là-bas, en sous-main. Et puis on est intervenu plus officiellement. Il est arrivé ce qui est arrivé, quoi.
Il faut savoir que Daesh, derrière Daesh, il y a l'Arabie Saoudite et il y a le Qatar, qui sont les meilleurs alliés de la France. Voilà. Bon, ben, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc moi, je ne suis pas en guerre. Je veux pas qu'on soit en guerre entre nous, surtout pas. Et je veux qu'on arrête de faire la guerre, on arrête d'avoir des bases militaires, on arrête, voilà, parce que ce qu'on fait ici, on le fait multiplié par 10 à l'extérieur, quoi. Et on est le troisième vendeur d'armes au monde. Voilà. Donc bah, il faut que ça cesse, et puis que peace, ouais, je dis peace and love, parce que j'aimerais bien qu'on puisse arrêter ces tensions de guerre, quoi, et désarmer ceux qui sont ceux qui créent cette guerre à la fois intérieure et extérieure. Grève générale. Voilà, je rappelle que ceux qui veulent intervenir s'adressent donc à Chloé qui est là pour les tours de parole. Je vous invite à intervenir. L'idée, c'est de construire donc une analyse collective, de comprendre ce qui nous arrive. On vient de se prendre dans la gueule, donc prolongation de l'état d'urgence et 49.3. Pour beaucoup d'entre nous, on se bat depuis 2 mois et demi contre la loi travail. Se prendre un tel truc dans la gueule mardi dernier, ça fait mal. Et c'est pas pour autant qu'on est assis. On va rester debout. C'est important. Seulement, la stratégie de crise du gouvernement, elle tend à nous diviser, à diviser les militants et les quartiers populaires, à diviser les syndicalistes et ceux qui ne le sont pas, à diviser à peu près tout le monde. Et je pense que l'enjeu crucial de la période, c'est qu'on soit capable de se lever tous ensemble, de porter une parole collective et de dire non à la loi travail pour commencer. De dire non à la loi travail pour commencer, parce qu'on veut dire, en fin de compte, non à la loi travail et à son monde, c'est-à-dire au monde qui engendre de telles lois. Voilà, je pense que c'est important. Je vous invite à intervenir, vraiment, c'est important. On va rester un peu sur la question de l'état d'urgence. On embrayera après sur ce qu'est la loi travail. Il y aura plusieurs intervenants donc, qui reviendront sur le fond, qui décrypteront cette loi. Il s'agit de la comprendre, de comprendre en quoi c'est une loi qui transforme radicalement le salariat en France, qui transforme radicalement le rapport de force entre les travailleurs et le patronat. Voilà, on reviendra avant ça. Si des interventions veulent être faites sur la question de l'état d'urgence, allez-y. Moi, c'est pas que Daniel. J'ai 74 ans. C'est pas que. Moi, j'ai fait mai 68. J'ai fait la révolution du Québec à Montréal. J'ai fait aussi la révolution du Jasmin. Moi, j'étais professeur de paix dans les collèges. Je suis marseillais. Je soutiens pleinement Nuit Debout. Je pense que on a besoin à l'heure actuelle d'un mai 2016. Il n'y a pas que le problème des 40 cités, je suis marseillais. J'ai enseigné dans des cités, je connais bien la problématique des jeunes. Les jeunes sont laissés de côté et les vieux aussi. C'est une société épouvantable pour les jeunes, pour les vieux. Donc, on pourra discuter après d'une autre vision. Moi, je suis pour une vision un peu de type partagé. Le soleil appartient à tout le monde, l'eau appartient à tout le monde, le vent, et puis il y a des profiteurs, des gens qui s'en mettent plein les poches et d'autres qui sont à la rue. Je m'occupe des SDF, je m'occupe des SDF aussi quand je les vois crever comme des chiens dans la rue. C'est horrible. On dirait qu'on a. Moi, je me demande à quoi j'ai servi en tant que prof pendant des années pour donner de belles valeurs et je vois la merde autour de nous. Merci. Du coup, ça, Pierre. Bonjour. J'avais deux choses à dire. La première, c'est que Amnesty International, une association qui défend les droits humains partout sur la planète, a récemment publié un rapport portant sur l'état d'urgence. Et dans ce rapport, Amnesty International s'inquiète des perquisitions et des violences policières qui ont eu lieu durant les derniers mois. Donc c'était pour dire que voilà, des associations de défense des droits humains qui mène plein de combats partout sur la planète, notamment pour l'abolition de la peine de mort, s'intéresse aussi de près à ce qui se passe en France. Et
La deuxième chose que je voulais dire, c'était sur le contrôle au faciès. Le contrôle au faciès, c'est lorsque dans des banlieues, par exemple, des jeunes se font contrôler une, deux, trois fois dans la même journée. Et pourquoi ? Parce que ils ressemblent à des dealers de quelque chose. Et François Hollande, dans sa campagne en 2012, avait proposé d'instaurer un récépissé de contrôle au faciès, c'est-à-dire pour empêcher que des contrôles aient lieu beaucoup trop souvent et de manière injustifiée, il s'agissait de donner un récépissé aux jeunes qui se faisaient contrôler, qui pouvaient l'utiliser pour ne pas se refaire contrôler plein de fois. Et ça, c'est l'une des mesures, le récépissé de contrôle au faciès, qui n'a pas été mis en place durant le quinquennat de François Hollande. Alors c'est lamentable de voir qu'une mesure comme ça, qui semble si simple à mettre en œuvre, ne soit pas mise en œuvre, alors que d'autres lois qui n'étaient pas dans le programme de François Hollande, comme la loi de travail, des lois qui sont fortement contestées partout dans l'opinion publique, bien le gouvernement en soit réduit à le faire passer en utilisant un article constitutionnel antidémocratique. Merci. Le prochain, c'est Jones. Ouais. Bonjour. Ouais, le premier truc que je voudrais dire, c'est d'abord, quand on vient prendre le micro ici, pour ma part, j'aimerais bien qu'on commence par présenter qui on est et depuis où on parle. Parce que c'est pas très simple pour ceux qui écoutent de savoir qu'est-ce qu'on dit et d'où on le dit. Alors, comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, j'ai commencé par me présenter et dire qui je suis et d'où je parle. Donc moi, je m'appelle Jones, il y a des gens qui me connaissent ici, d'autres pas du tout. Je prends la parole pour la première fois, j'ai longtemps hésité à la prendre, mais là, j'ai envie de dire quelque chose pour que ça parle des quartiers populaires. Les quartiers populaires, j'y vis pas. Mais par contre, j'y ai travaillé un moment. Je suis travailleur social, c'est pour ça que je dis d'où je parle. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que peut-être... Là, on parle beaucoup des quartiers populaires, mais je pense que les personnes qui sont le mieux placées pour en parler, c'est les personnes qui vivent. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des personnes qui vivent dans les quartiers populaires, qui viennent ici en parler, ou qui prennent le micro et qui se permettent de dire ce qu'ils vivent réellement. Parce que nous, on a beau le voir, on a beau le regarder d'un peu loin, c'est pas la même chose que d'y vivre et d'y subir les violences policières et toutes les autres violences symboliques qu'on peut y subir. Un autre truc que je voulais dire aussi, c'est qu'à partir de maintenant, il faudrait peut-être réfléchir à comment quelle stratégie on met en place pour aller dans ces quartiers, pour aller chercher les gens, pour aller auprès d'eux et pour accepter aussi les remarques qu'ils vont nous faire. Parce qu'on était où, tous ensemble, là, tout ce qu'on est, on était où quand ça merdait pour eux, on était où quand ils s'en prenaient plein la tronche, on était où pendant 30 ans quand les quartiers ont été désertés par les services publics, ont été investis par la police, ont été des quartiers de relégation, parce que c'est de ça dont il s'agit, les quartiers de relégation. Alors, moi, je pense que si on y va, il va falloir qu'on s'arme de courage, de patience, et qu'on fasse un putain de mea culpa, parce qu'on est aussi coupable de les avoir laissés dans la merde. Voilà. Donc, je pense qu'on va avoir un peu les oreilles qui sifflent quand on va monter là-haut, mais moi, je veux bien y aller quand même. Voilà. Dernier truc, c'est que maintenant, il faut y aller, et il faut y aller avec beaucoup d'humilité. Il faut y aller comme quand on va voir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps et qu'on a un peu laissé au fond du trou. Voilà, il va falloir y aller avec un peu doucement. Voilà, j'avais un autre truc à dire, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas trop. En tout cas, ouais, j'aimerais bien qu'il y ait des gens, des quartiers qui sont, ou même des gens, pas des quartiers, mais qui vivent et qui travaillent sur des quartiers, qui viennent parler un peu de leur réalité, du quotidien qu'ils vivent et peut-être on comprendra mieux, ou en tout cas on l'entendra mieux. Voilà, merci. Bonjour. Moi, je viens d'un quartier populaire, d'une zone urbaine sensible, comme on appelait ça autrefois. Maintenant, c'est quartier prioritaire. Bon, le truc qui change pas dans les zones urbaines sensibles, parce que c'est toujours des zones urbaines sensibles, c'est que c'est toujours une mascarade, en fait. Les quartiers, aujourd'hui, on a changé le nom de zone urbaine sensible en quartier prioritaire pour dire qu'on va plus investir dans ces quartiers et que l'État va faire plus de choses dans ces quartiers que pour les autres. Ce qui est complètement faux, en fait.
c'est juste une grosse mascarade. Moi, je suis un habitant de ce quartier, j'ai voulu m'insérer au sein de mon centre social. Le centre social, c'est la seule association dans le quartier qui est censée animer la vie des habitants et aider les habitants dans les différentes procédures et leur trouver du travail et tout le tralala. Et tout ça, c'est de la mascarade, en fait. Je me suis rendu compte parce que j'ai essayé d'y entrer, j'ai essayé de voir le fonctionnement d'un centre social. Et en fait, ben c'est une, on va dire une infrastructure qui tourne en rond. On met quelques experts qui ne sont pas des habitants, qui ne sont pas des habitants du quartier, qui ne connaissent pas le quartier, et on demande à ces experts de s'occuper des habitants. Et le problème, c'est que ces experts, ils ont des compétences bien réparties. Donc ces compétences, un va s'occuper du secteur jeunesse, un du secteur famille, un secteur petite enfance. Mais le truc, c'est qu'il faudrait des compétences générales. Et que ces personnes-là, ces experts, ils restent tout le temps sur leur ordi. Pour dire qu'ils font que de la procédure, ils vont pas sur le terrain, ils voient pas les habitants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on demande à ces experts-là de faire quelque chose pour ces habitants. Mais ils connaissent pas la réalité du terrain. Et c'est à des services civiques, moi je suis en service civique, de faire ce travail-là, alors que c'est pas normal. Voilà, c'est une des réalités. C'est une des réalités qu'on voit dans les quartiers prioritaires. Vous vous appelez ça quartier populaire, mais quartier populaire, faudrait plus cibler. Moi, j'appelle le nom que donne l'État, c'est quartier prioritaire. Et deuxième chose, c'est que dans ces quartiers prioritaires, l'État donne de l'argent. Ça veut dire, à chaque fois qu'on est dans les centres sociaux, on nous parle de partenaires sociaux. Tout ce qui est collectivité territoriale, région, département, commune, ils donnent de l'argent pour les centres sociaux, mais cet argent, ils vérifient leur action. Ça veut dire que quand nous, on essaye de faire quelque chose pour les habitants, eux, ils sont en amont et ils contrôlent qu'on fait exactement ce qu'eux, ils veulent. Ça veut dire que si on veut faire une démarche citoyenne ou leur rappeler... On va installer des gradins. Du coup, ce serait bien qu'on se décale un tout petit moment pour pouvoir mettre les gradins. Voilà. Merci. Bon, ben, je vais attendre que vous vous déplaciez. Hein. Non, mais c'est pas grave. Mais pour revenir, c'est que dans ces quartiers prioritaires, on voit pas l'essentiel. Et l'État fait pas le travail qu'il devrait faire. C'est-à-dire qu'il donne pas une liberté d'action aux habitants. Par exemple, la seule infrastructure, je vais en revenir encore, c'est le centre social. Moi, dans le centre social de mon quartier, je me suis rendu compte que dans le conseil d'administration de cette association, parce que dans les associations, il y a un conseil d'administration, les deux tiers, ce ne sont pas des habitants. Et les postes les plus importants, présidence, vice-présidence, trésorerie, secrétariat, ce ne sont pas des habitants. C'est des personnes annexes et on les met là parce que, soi-disant, ils ont des compétences et ils peuvent apporter des compétences pour les habitants. Ce qui est complètement faux. Moi, je me suis penché sur les statuts de l'association, la constitution, entre guillemets, de l'association, ce qui devrait régir le centre social et ce qui devrait régir le quartier. Il y avait des fautes d'orthographe, il y avait des fautes juridiques, ce qui prouve la négligence quand même. Parce que j'ai 18 ans, je suis en première année de droit, je vois, ils auraient pu aller voir un juriste pour faire ce travail-là. Et le point le plus important, c'est que, je ne vais pas nommer le nom du centre social, mais dans ce centre-là, dans ces statuts, il y avait la question des ressources. Pour revenir sur les ressources qu'ils pouvaient avoir, les subventions qu'ils pouvaient toucher. Et dans ces subventions, ils ciblaient l'État, les départements et les communes. Ils n'avaient pas marqué les régions. Et s'ils avaient demandé aux régions des subventions et que le délégué à la fonction de la région avait vu que dans les statuts, il n'y avait pas marqué la région et qu'ils avaient donné de l'argent, ça veut dire que le centre social aurait dû rembourser. Et que ce centre social, il est déjà en déficit, il est déjà en redressement judiciaire, ça veut dire que ça aurait coulé la structure juste pour une négligence faite par le CA, qui ne sont pas des habitants. Donc, il faut se poser des questions. Et je dis que dans les quartiers prioritaires ou les quartiers populaires, c'est aux gens d'aller voir quand même ce qui se passe à côté de chez eux. Donc le premier pas, c'est d'aller voir les associations qui sont à côté de chez eux, d'aller voir les actions qui sont faites à côté de chez eux, pour essayer de changer un peu de choses, en fait.
Parce qu'encore une fois, je répète, j'ai 18 ans et j'ai fait un travail, juste le travail de m'intéresser, de regarder ce qu'il y a dans les statuts. Les statuts, ils sont faux. Donc déjà, c'est quelque chose de grave. De deux, dans ces statuts, ils ne donnent pas le droit de vote au conseil d'administration à tous les habitants. Ça veut dire qu'il faut faire des cotisations et que l'information ne remonte pas sur le fait qu'on peut participer au conseil d'administration. Parce que je vais resituer, parce que le conseil d'administration, c'est ce qui gère l'association, et l'association, c'est ce qui est censé animer le quartier. Donc ça fait que le quartier populaire, en fait, il est en état d'inertie totale, parce que c'est fait par des incompétents. Et je ne vais pas m'attarder, parce que là, ça va être un peu long, mais voilà. Pareil, autre problème, moi, j'ai été abordé par un ancien pied noir. Moi, je viens d'un quartier où c'était les quartiers faits par... pour en revenir, c'est pas vraiment de l'état d'urgence, mais voilà, c'était tout après la décolonisation de l'Algérie, tous les pieds noirs sont revenus à Marseille. Il fallait construire des cités pour ces gens-là. Et moi, il y avait un ancien pied noir qui m'a dit, voilà, le problème dans les cités, c'est le chichon. Le chichon, c'est quoi? C'est le shit, c'est les réseaux qu'il y a dans les quartiers, ce qui vend de la drogue. Il me dit, le deuxième problème, c'est que, voilà, dans le centre social, c'est pas des habitants. Je dis, ok, d'accord. Mais j'ai dit, non, ceux qui vendent le chichon. Parce que quand on descend dans mon quartier, le problème, et je pense que ça ne vous étonnera pas, ceux qui vendent la drogue, ils ne font pas partie du quartier. C'est des gens, moi j'y suis né, je connais mon quartier quand même. Je connais les gens qui y habitent. Et quand je vois ceux qui vendent de la drogue, ah ben, ce n'est pas des gens qui habitent dans le quartier, c'est des gens d'autres quartiers. Ça veut dire que le réseau, ce n'est pas fait par des gens des cités, ce n'est pas fait des gens qui viennent de ce quartier populaire. Ça vient d'en haut. C'est des personnes d'en haut, avec des moyens, qui mettent des personnes en bas dans ces quartiers populaires, alors qu'ils pourraient vendre leur drogue autre part. Et ça, on le dit pas. Ça, on le dit pas, et l'État, ils veulent pas le savoir. Ils le savent très bien que c'est géré par en haut, mais ils continuent à faire. Ils continuent à mettre 4 camions de CRS dans le quartier, à côté de l'école primaire, à côté de l'école maternelle, pour faire peur les petits, pour contrôler les jeunes. Moi, quand je rentre dans ma cité, des fois le soir, à 9h, il y a un policier, il me contrôle, il me dit, voilà, ça, il fait nuit, il me met la lampe dans les yeux. Il dit « Wesh !» Alors que leurs lampes, c'est des lampes avec je ne sais pas combien de volts. Ils vous brûlent les yeux, ils le font exprès. Ils savent que... Ah, pourtant, ils me connaissent, hein. Ils savent que je fais des études et tout, mais c'est juste pour emmerder les jeunes. Mettre des camions de CRS, c'est pas pour la drogue, c'est pour emmerder les jeunes. Et je dis pas ça comme ça, je dis ça avec toute objectivité. C'est que je le sais très bien, j'y suis né, je connais. Et pour en revenir, c'est ce que je dis. La drogue, c'est pas des gens des quartiers populaires, je le vois, c'est une constatation. Après, c'est vrai, ils arrivent à enrôler. Mais il n'y a pas ce travail de formation. Encore une fois, c'est au centre social d'aider les jeunes. D'aider les jeunes, par quoi? Les accompagner. Moi, je ne les ai jamais vus. En 18 ans, je ne les ai jamais vus. J'aurais pu vendre de la drogue, j'aurais pas pu faire d'études. Il n'y aurait personne qui m'aurait aidé. Je serais en bas dans le quartier, à rester là, à guetter, à vendre de la drogue comme un con. Il n'y aurait personne qui est venu. Tout ça pourquoi? Parce que dans les institutions publiques, ils refusent que le centre social s'occupe de la formation des jeunes. Ils refusent que dans le centre social, il y ait des personnes qui s'occupent des jeunes et leur disent « voilà, il y a telle formation ». Ils disent « voilà, c'est pas votre compétence, c'est pas à vous de le faire ». Ils disent « allez au Pôle emploi, allez à... comment ça s'appelle ? La mission locale ». La mission locale, elle est à Perpète. On y va là-bas, ils proposent rien. Pareil, on va à Pôle emploi, on va là-bas, ils proposent rien. Après, il ne faut pas s'étonner que les jeunes, ils se retrouvent par des gens qui sont d'en haut, leur disent « voilà, vous pouvez toucher 50 E par jour ». Je dis voilà, 50 par jour, 50 fois 30, je fais mon SMIC, il n'y a personne qui me propose de taf, je guette dehors. Ou sinon, je deal, je me fais 2500, salaire de cadre, je deal dehors parce qu'il n'y a personne qui me propose de taf. Tout ça parce que les institutions publiques refusent que dans les quartiers, il y ait des personnes, dans les associations, refusent de faire le travail de formation. Et ça, c'est vrai. Ouais, il voulait revenir sur l'état d'urgence. Moi, pareil, je vais pas m'attarder sur les quartiers. Moi, je connais mon quartier. Ouais, mais je connais ma zone urbaine sensible. Et les gars, je peux vous dire que faut y vivre, quoi. Mais non, mais parce que c'est ce travail de longue haleine, ça fait 20 ans. Moi, j'y suis né. Moi, ça fait 3 ans que je suis dans le social. Je vois que ça sert à rien. Ça sert à rien si on n'est pas unis, si chaque personne, et pas forcément qu'ils viennent de zones urbaines sensibles, s'ils peuvent venir de Courjus, du Vieux-Port, si ils vont voir à côté de chez eux les actions qui sont faites, sur quoi ils peuvent faire, pas leur dire qu'ils peuvent aller à Perpète faire une action, juste dire à côté de chez eux ce qu'ils peuvent faire.
Et à partir de là, il y aurait un mouvement citoyen et ça pourra changer les choses. Ne serait-ce que dans les quartiers et en amont dans les zones urbaines sensibles. Voilà. On va après devoir passer au thème suivant, mais je pense quand même qu'il était important de s'interroger dans quel contexte s'écrit actuellement l'état d'urgence, quel contexte légal. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on croit que la France est encore appuyée sur son grand principe de terre d'accueil, etc. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. La déchéance existe avant l'état d'urgence. Aujourd'hui, les préfectures peuvent déchoir certaines personnes de la nationalité, certaines personnes qui ont été naturalisées et donc qui auraient une double nationalité. Ça existe déjà. Hein. On nous fait croire que c'est à la mode depuis les attentats, mais c'est déjà le cas. Ensuite, il y a aussi d'autres choses à prendre en compte, c'est que l'accueil aussi qui pourrait permettre de déchoir est de toute façon une procédure complexe, difficile, étouffante, et ça aussi, il faut le prendre en compte. Il ne faut pas croire tout ce que les médias nous disent, c'est-à-dire la France accueille tout le monde, c'est vraiment une blague, la France n'accueille pas tout le monde, et la France naturalise assez peu de monde. Après, on peut faire des comparatifs de chiffres, hein, mais on n'est vraiment pas les premiers, quoi. D'un autre côté, on a aussi tout ce qui est service d'accueil, genre service d'asile, etc., donc qui reçoit les nouveaux arrivants et qui ne sont absolument pas organisés dans cette question de l'état d'urgence. Aujourd'hui, la France ne communique pas ses données à Interpol. Il n'y a aucune organisation là-dessus. Moi, j'interviens aujourd'hui pour vous dire que, très sincèrement, je pense que l'état d'urgence lui-même est une réelle mascarade qui est faite pour nous maintenir dans la peur et que le gouvernement nous impose pour arriver à des fins qui sont encore et toujours capitalistes et respecter un ordre social binaire qui défavorise toujours les mêmes. Et ça, je pense qu'il faut le dire, l'état d'urgence n'a pas tout créé en France, les problèmes étaient là avant et il va faire que les accentuer. Voilà. Salut, bon, c'est pas la première fois que je parle, j'avais déjà fait une nuit debout, j'avais parlé. Je m'appelle Lou, j'ai 14 ans, donc voilà, je me présente. Alors moi, j'ai fait beaucoup de manifs, malgré le fait que mes parents ne veuillent pas trop que j'y aille par rapport au CRS. Et je voulais parler aussi un peu des quartiers populaires, parce que moi, je suis au collège Vieux-Port, donc on va dire que mes potes, ils viennent un peu tous des quartiers, donc je connais assez bien. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le monsieur tout à l'heure, ceux qui vendent de la drogue et qu'on critique autant, c'est pas toujours les gars des quartiers populaires et beaucoup moins. Moi je sais très bien que je connais des gens qui en vendent et je sais très bien que c'est pas du tout le même délire, c'est beaucoup plus compliqué, ça vient de beaucoup plus haut, c'est des gamins qui sont harcelés pour vendre et tout ça, donc c'est très compliqué tout ce trafic. Et moi je suis pas d'accord que, enfin tout ce qui se passe dans les cités, les flics qui tournent, tout ça, bah ça c'est vraiment pas bien parce que les flics ils savent très bien qu'il y a des trucs qui se passent encore plus graves autre part. Les petits deals de cannabis dans les cités, c'est pas le plus grave, il y a des deals de drogue beaucoup plus durs, il y a des deals d'armes dans tous les coins. Et ça, les flics, ils y font pas attention. Enfin, ils y font attention, mais je pense qu'ils ont plus peur que d'aller faire chier des minots dans les quartiers. Et je voulais aussi dire que, voilà, par rapport à ce qu'avait dit tout à l'heure la dame, la France, elle accueille pas tout le monde. C'est vrai, il y a beaucoup de discrimination, mine de rien. Bon, moi, je suis issue d'une famille, j'ai un père renois, même si ça se voit pas trop. Donc moi, je suis pas du tout raciste, mais il y a des gens dans mon bahut. Mine de rien, vu qu'on est un bahut, donc en grande particularité avec beaucoup d'Arabes, voilà, moi je m'en fous, je dis le mot, hein, mais c'est tous mes potes, hein, je les adore. Bah, en fait, c'est plus les Blancs qui en prennent plein la gueule, et genre moi, je m'en fous, je trouve ça cool qu'on soit tous autant diversifiés. Mais quand je vois des gens comme Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen qui gueulent que les Arabes ils prennent le boulot, tout ça, je trouve ça horrible, et je pense que la France, c'est une terre d'asile qui doit y avoir beaucoup plus de gens qui puissent venir. Parce que ce que je trouve beau, par exemple, dans mon bahut en particulier, c'est qu'il peut y avoir des Chinois, des Arabes, des Renois, ils sont tous dans le même groupe, tous dans la même classe, et on est tous unis, et on s'adore, et vraiment, ça, c'est quelque chose que je kiffe. Voilà, et je veux vraiment pas que... Moi, je me dis, si un jour, il y a des... Tout ce qui se passe, là, tout ce qui se passe en ce moment, je trouve ça horrible, et je veux que nous, les jeunes, même si on a que 14 ans, qu'on est qu'au collège ou qu'au lycée, et que le travail, tout ça, ça nous concerne pas encore. Moi, c'est pas contre la loi du travail, forcément, que je fais des manifestations. C'est aussi pour tout le reste.
tout ce qui se passe en ce moment en France, et je pense que ça, nous les jeunes, on peut le comprendre et qu'on peut se lever par rapport à ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, merci. Bonjour, est-ce que tu peux tenir le micro, s'il te plaît ? Je voudrais juste donner une information, puisqu'on parle de vivre ensemble, etc. C'est souvent un slogan qui sonne très creux. Donc il y a un certain nombre pourtant de gens qui voudraient que la ville de Marseille soit véritablement un exemple de communauté urbaine, de société plus unie, moins séparée par la question des transports et de leur organisation misérable par les pouvoirs publics qui séparent de la façon qu'on connaît tous les jours les quartiers populaires du centre-ville, même si le centre-ville est un vrai quartier populaire. Pour autant, pour aller au Merlan, par exemple, et c'est ce que je vous propose pour demain, c'est la galère. Donc je donnerai les numéros de bus pour y aller. Demain, il y a une fête qui s'appelle la fête du vivre ensemble. Et ce n'est pas que des mots, parce que si on fait la liste des organisateurs, c'est les habitants qui s'organisent et qui invitent chacun à venir à leur rencontre. Et c'est une organisation collective, il y a plein d'associations. Nous sommes allés au Flamand il y a quelques semaines. Ça a été, à mon avis, un succès, malgré les maladresses, malgré la tentative critiquée par beaucoup. Mais il y avait véritablement la volonté de Nuit Debout d'aller rejoindre aussi toutes les luttes qui sont quotidiennes et dans les quartiers par rapport à l'état d'urgence. On voit combien c'est quelque chose d'encore plus difficile aujourd'hui. Mais c'est une fête, en fait, je ne sais pas trop comment vous la résumer. C'est quelque chose de fraternel, c'est quelque chose d'une rencontre des habitants du quartier. Et tout le monde est invité. Alors je donne le programme, il y a de la musique, chacun peut apporter à manger et partager au moment du repas. Il y a des chorales, il y a des chorales pour les enfants, il y a un repas partagé. Il y a de la musique très variée, hein. Il y a des batucadas, des chorales, Ibn Zaydoun, etc. Et des chants italiens, des chants arabes, des chants de toutes sortes. Et l'après-midi aussi, des réunions où les gens du quartier constituent un conseil d'arrondissement pour essayer de prendre en charge aussi leur destinée dans la cité. Pardon pour les postillons. Voilà, et puis il y a de la musique, et puis il y a une fête, et il y a vraiment une occasion de rencontre. C'est demain. Alors ça se situe au parc de Fontobscure, c'est au Merlan en fait, c'est en termes de bus, les accès c'est très facile, il y a des départs de la Canebière avec le bus 32, le bus 34 et de la Rose avec le bus 27 pour aller, c'est juste avant le centre commercial du Merlan, s'arrêter dans un parc qui est malheureusement très mal entretenu par la ville mais qui est un beau lieu pour se rencontrer. Voilà. Bon dimanche, de toute façon.